Attention, la station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis le sud-ouest de France, le département de la Gironde. Attention, la station fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la nationale 89. Attention, les stations fréquence pour Dundee 33 qui lance appel en mobile depuis la nationale 89 dans le sens Bordeaux-Libourne. CQ, CQ, CQLX, appel de 14 km, 3301, opérateur roaming, en Mobus, sud-ouest France, département de la Gironde. Oui, Manuel, les bons sont très à vous. De la Belgique, je vous propose un QSY sur le 27 545, c'est parti pour moi. Oui, attention la Belgique, pour 14 km 3301, opérateur Rémi, Dundee 33 mobile entre Bordeaux et Libourne.
Attention la Belgique pour 14 km 33 01 opérateur Rémi en mobile entre Bordeaux et Libourne, sud-ouest France. Ouais, la Belgique, je vous propose un QSY sur le 27 545, 27 545, c'est parti pour moi. Attention la Belgique, attention la Belgique pour 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le département de la Gironde, sud-ouest France. Ah, il doit y avoir trop de propague. Attention la Belgique pour le sud-ouest France. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, département de la Gironde, qui vous propose un QSY sur le 27 545. 27 545. 045. CQO, CQO, CQDX, appel de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest France, entre Libourne, entre Bordeaux et Libourne. Bonjour Aimé, la division 16, 16, Papa Alpha Tango, 405, on peut toujours. Oui, les boissons 13 à vous, 16, Papa Alpha Tango. Ah, ça y est, j'ai mangé le numéro qui suit. De la part de 14 km 3301, opérateur Rémi, en mobile sur le sud-ouest de France, département de la Gironde et pas très loin de Libourne. Ok, Aimé, pas de problème, ça passe super bien sur la Belgique. Ah ça, pour être QSL, c'est du 100% QSL là, ce matin. Hein. La propague est bien là, et tous les jours en ce moment, dès le matin, comme ça, la propague est là, c'est tout simplement génial. Ok, fermable, il faut en profiter tant qu'il est là pour faire quelques contacts. Ah ben là, en ce moment, c'est facile, c'est tous les jours là qu'on arrive à faire des contacts, là, je vois de notre côté, hein. Et dire que là, je sors du boulot, je m'en vais au 144. Je vais pas arriver à dormir en pensant avec la propag qu'il y a en ce moment. Un chi trois coups. Ok, mais ben, je vais te laisser là. J'espère que tu vas bien récupérer, que tu vas passer une bonne nuit. Voilà, je te remets 51-73, les amitiés, toujours au plaisir là. Un chi trois coups, pour le moment je suis sur la route. Là je dois être à peu près encore à 25 km là, du Cuira. Voilà, là je suis en train d'arriver là sur la ville enfin pas loin de la ville de Libourne. Et ensuite, en suivant, je vais attraper la direction de Saint-Émilion de ce côté-là. Ok là pour Saint-Émilion, ouais. Alors ben, c'est tout bon ça. Ah bah oui, le tout quand on passe du côté de Saint-Émilion, c'est qu'il faut pas s'arrêter, parce que après la route, on la voit plus aussi droite. Oui, c'est sûr. Ouais. Ah, mais ça passe relativement bien, là. Des conditions d'amusement dans le mobile, c'est cool, là. Ouais, enregistrer le break derrière avec les bonnes 73. Alors, de mon côté, dans le push, c'est un CRT 7009. Voilà, avec comme antenne une Wilson 5000 placée en plein centre du toit. Ok, tout bon pour le CRT. Mais de mon côté, pour le moment, je suis avec un petit CRT au CELA, 9009. Non, un 6009, celui c'est. 6009, voilà. Microphone d'origine sur une montante turbo, 10 mètres du sol.
Ok, d'accord. Eh bien, au niveau du signal, enfin du report, c'est du 55 là de mon côté. Et oui, moi aussi, je suis avec le micro d'origine. Avec la gueule que j'ai, de toute façon, j'ai pas besoin de micro préampli. Hachis trois coups. Je dis ça en rigolant parce que j'ai l'YL à chaque fois qui me reproche de gueuler dans le micro. Mais ça, c'est à chaque fois, c'est l'excitation de prendre les micros et tout ça. Hachis trois coups. Ok, pas de problème, mais ça passe relativement bien là. Mais il y a un brick qui s'est signalé, on va le laisser rentrer. Voici la station 73 de la Belgique, au plateau Joël. Oui, Joël, bonjour, voilà, sur Bordeaux, la 73, vous arrivez très très bien. Et je salue Rémi aussi en mobile là. Voilà, vous arrivez très très fort là sur la région de la Manche, au nord de Bordeaux. Voilà, c'est un petit peu de Bordeaux, entre Bordeaux et Royan, sur la côte de l'Ouest. Les bonnes 73 à vous, mais là je suis sur la rocade de Libourne actuellement. Et c'est vrai que là j'étais surpris, là je sors du pont, là j'étais du côté de Saint-Loubès. Je monte dans le push. Là j'étais vu l'heure et tout, je me suis dit bon c'est plutôt du côté du 19, du canal 19 que je vais avoir du monde en fréquence. Ah bah oui, ça n'a pas raté, je m'attendais pas à une telle propague. À tel point que les stations locales qu'il y a en AM, impossible de les attendre. Il y a le Portugal, il y a l'Italie, l'Espagne, ça arrive de tous les côtés. Et bien du coup, je me suis dit, ben, je vais monter au premier étage, hachis, et voilà, ben, la suite, tu la connais. Voilà, j'ai lancé là, quelques appels, tac, la Belgique, et là, c'est tout simplement vraiment, c'est vraiment génial. Et ce qui est d'autant plus génial, c'est que j'ai beau être sur les ondes depuis 1982, mais à chaque passage de Propag, c'est un réel plaisir de redécouvrir la radio, car il y a c'est jamais pareil. Et c'est je sais plus quoi dire parce que tellement que je suis content à chaque fois de retrouver la propague. Le retour à la hachis trois coups. André Mobile. Oui, qui est sur le matin. Mais c'est vrai que voilà, on tente un petit peu la propague là, ça fait du bien un petit peu, ça change un peu du quotidien là. Oui, il y a un mobile qui s'est signalé, les 73, le mobile, de la part de 14 km, 33-01, opérateur Rémi, Dundee 33, également en mobile, actuellement sur la rocade de Libourne. Oh, mais c'est pas tout à côté, ça. Pour ma part, je suis sur le sud-ouest de France, sur les départements de la Gironde. Voilà, juste à côté de la ville de Libourne, pour attraper ensuite la direction Saint-Émilion. Ok, pour Libourne, écoute, c'est que c'est la Saint-Pour-Saint-Rémy. Je roule actuellement sur le port d'Hambourg, je me dirige sur le Danemark, et voilà, je te reçois entre 53 et 55, Rémi. Waouh! Il y a la Belgique aussi avec nous. La Belgique, il y a une station mobile de Hambourg qui se dirige en direction du Danemark qui est avec nous, la Belgique. Retour sur la Belgique pour voir si vous l'entendez. Oui, la station qui est en mobile en direction qui est sur Hambourg. Bon, là, c'est bien dommage, la Belgique ne vous entend pas. Là, vous passez carrément largement au-dessus, parce que quand je dis largement au-dessus, c'est que moi ici, ça m'arrive fort. Mais c'est vraiment une bonne radio de 5. J'ai pas eu le temps de regarder le signal vu que je suis en train de rouler. Mais ça ne doit pas être mal non plus de ce côté-là. Retour, là, c'est le mobile qui est du côté d'Hambourg. Oui, Rémi, c'est André. C'est André, le prénom de l'opérateur pour Hambourg. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le QRA Famille.
bien pour le retour de micro. Bernard, tu m'as dit. Oui, la station de la Belgique, ton prénom, si j'ai pas oublié, c'est Joël, hein, c'est ça, hein. Ok, tu as Bernard de la Belgique qui est en ce moment là en mobile sur Hambourg. Voilà, Bernard, c'est Joël hein, qui est sur la Belgique, là avec qui je suis en ce moment. Oui, c'est André, André qui reprend le micro, André. Zut, c'est André. Joël, je crois que c'est une station de Bruxelles. C'est possible que c'est une station. Ok, Joël, c'est André, André de la Belgique qui est sur Hambourg, voilà. Joël, tu es sur Bruxelles, c'est ça? Oui, je t'attrape encore, Joël, il n'y a pas de problème, hein, tu passes encore bien de mon côté. Est-ce que tu es sur Bruxelles en ce moment? Oui, affirmatif. André, il est sur Saint-Leroy. Saint-Leroy, de ce côté-là, voilà. Ok, c'est André Mobile qui reprend le micro. Ah, ok, c'est Joël de Charleroi. Voilà, ben, tu peux lui dire, parce que peut-être qu'il me connaît en mobile, tu peux lui dire que c'est André Mobile qui rentre sur le port de Hambourg. Ok, d'accord, Joël, c'est André, il y a des chances que tu le connaisses, voilà, il est actuellement là sur le port de Hambourg. Ok, oui, ça doit être ça, j'ai des QRM par moment là de mon côté, parce que là je suis en plein dans la zone commerciale et industrielle là, de Libourne, donc pas très loin, allez, je dois être à quoi, à 15 km là de Saint-Émilion, hein. Donc là je suis en plein dans une zone où j'ai des QRM et tout. Alors le truc qui est assez marrant, c'est que tous les deux, vous n'êtes pas si loin que ça l'un de l'autre, enfin pas si loin que ça par les ondes on va dire, mais bon, comme quoi la propague là vous joue des tours à tous les deux. Il faut que ça soit moi qui soit à l'autre bout, carrément sur le sud-ouest de la France, et qui vous fasse le QSP entre vous. C'est tout simplement génial. Retour André. Attends deux secondes. C'est 480. Oui, affirmatif, 100% QSL. De mon côté, c'est un CRT 7009 avec un petit peu de puissance derrière. Et comme antenne, c'est une Wilson 5000 qui est placée au centre du toit. Pour ça, donc je suppose que tu es en voiture, Oui, affirmatif. Là, je sors du boulot et là, je suis en direction du QRA qui est un petit peu plus loin après Saint-Émilion. Enfin, je préfère te dire Saint-Émilion car je sais pas pourquoi, quand on dit Saint-Émilion, tout le monde connaît là de suite. Un chiffre, trois coups. Ok pour ça, oui, parce que pour une antenne aussi longue, tu n'as pas pu la mettre sur un camion, hein. Vas-y que tu as mis ça sur le toit. Ah ben c'est très bien, Ok, ouais, ça passe bien. Attends, il y a Joël là, qui se manifeste derrière. Retour à toi, Joël, de la Belgique. Ok, j'ai mis la propagation monte et j'ai utilisé ma propagation de mon côté, mais remets les consolidés derrière, il n'y a aucun souci. Et je te remets tous les beaux chips également, mais voilà. Je ne sais pas si tu vois une différence, j'ai changé mes conditions de trafic. Retour micro.
Ah ben, puis en plus, avec ça, je bouge en même temps. J'ai cru voir à Santiago de 7 même. Oui, il y a des chances. Hein. Là, ça passe vraiment bien là ce matin, là au niveau de la propague, là de mon côté. Hein. Ouais, André, Joël a de plus en plus là, de QRM de son côté. Hein. Voilà, Papa qui est en train de tourner, Joël, André. Je vais vous envoyer les bonnes sur 1351 car là je vous entends plus, là vous êtes complètement surmodulé là pour le coup. Donc André, Joël, les bonnes sont très à vous, bon contact, bon QSO, profitez bien de la propague et du beau temps, car ici sur le sud-ouest, c'est le plein soleil qu'on a là en ce moment. Merci pour le QSO, bye bye. Oui, bon, je suis toujours au plaisir. André, si tu me copies, le bon chiffre, la bonne route. Oui, affirmatif, les bancs sont très à vous. Ah, zut. Attention à la ville de Nice pour le sud-ouest de France. Station 14, Roméo Alpha November. Unité au 6, opérateur Ivan, standby, écoute, transmettez, merci. Ouais, attention Yvan, les bonsoirs 1351 à vous de la part de 14 km, 3301 opérateur Rémi sur le département de la Gironde. Oui, c'est 14, c'est comment tu vas? 14, c'est Delta Mike 01, l'opérateur de Lille, voilà ce que je dis, je sais pas si tu as la circonstellation ou pas. Les 73, la station de la part de 14 km, 3301 en mobile sur le département de la Gironde. Oui, 3301,
3301 en mobile, 59 sur le département de l'Aisne, 73 micro-retour. Oui, la bande 73 retournée, j'ai une balise en plus là, sur la fréquence là, de mon côté, mais c'est pas grave, je vais faire avec. Oui, je l'ai rebande 73 de la part de 14, Kilo Mike 3301, opérateur Remy, Dante 33 en mobile, actuellement sur la Gironde, pas très loin de Saint-Émilion. Sur le 02. Ah, on dirait que c'est compliqué un petit peu, là, d'un seul coup. Ouais, attention, la station du département 02 pour le département 33. Oui, ok, 73, le département 33 mobile. Vous êtes 59, là, sur le département de l'Est. Le prénom ici est Marc, Mike Alpha Romeo Charlie QSL. Oui, 100% QSL Marc. Pour ma part, le prénom est Rémi, Romeo Echo Mike Yankee. Actuellement en mobile sous le département de la Gironde, à la hauteur de Saint-Émilion. Voilà. Et pour les conditions de trafic, là de mon côté, c'est un CRT 7009 avec une antenne Wilson 5000 sur le toit du push. Ok, Rémi, si vous êtes en mobile, mais en poids lourd, en 1000 pattes ou voiture particulière? Non, en voiture, voiture particulière en push. Ah, ok, d'accord. Voilà, ben, ça marche bien. Hein. C'est par moment 59 là, sur le QTH. Hein. Et donc je vois que la propagation, ça fait comme la semaine dernière, sous de très bonne heure. Hein. Et c'est impeccable. Voilà Rémi, donc ici sur le 02, il fait 14 degrés. Il y a un petit vent du nord, le ciel est gris. Par endroit, il y a des trous bleus, mais enfin bon, c'est pas terrible. Voilà. Les conditions, vous m'entendez encore là? Ah oui, c'est du 100% QSL. Et de mon côté, c'est une tempête de ciel bleu. Ah oui, mais il faudrait partager un peu, hein, les gars du sud-ouest, là. Ok. Alors donc, les conditions de trafic ici, c'est un Yaizu, un FT991. À peu près 65 watts, là. Et l'antenne, c'est une 4 éléments, il y a une construction OM. Et le micro est le micro d'origine, du 991. Voilà, micro retour, Rémi. Ok, merci pour le retour des micros. Ben, ouais, moi c'est pareil, hein, je fonctionne avec le micro d'origine aussi. C'est comme me dit à chaque fois mon XYL, avec la gueule que j'ai, la grande gueule que j'ai pas besoin de micro préampli. Le micro préampli, je l'ai déjà dans la gueule. Pour la petite anecdote, je vois à chaque fois quand je suis au micro là au QR1, car je suis également équipé en fixe. Et que par exemple le vendredi soir ou samedi soir là je fais le QSO là, du canal 27, elle a vite fait de s'échapper du séjour pour aller s'enfermer dans le bureau et regarder la télé du coup sur son ordinateur. comment avoir la paix d'un seul coup là dans le séjour? Oui, ok, Rémi, vous êtes 59 plus 1 par moment, mais je suis obligé de vous quitter, là. J'ai une correspondance sur internet là, qui vient de se mettre en route et je suis obligé de répondre. Allez, 73, bonne continuation, bonne route. Ok, merci pour la bonne route, bon contact, profitez bien de la propague, bonne journée, merci pour ce contact, à la prochaine. Oui, ok, à la prochaine. Paramétrique, 4 bandes, fabrication, on aime. Voilà pour les conditions de trafic.
de mon côté, Jean. Et je vous adresse 1073, je vous souhaite une très bonne journée, et puis peut-être on aura le plaisir. Rico Delta à 033 suivant le tour. Alain Bordeaux, belle sur 535. Pour le point de méditation, vous avez bien travaillé. C'est du bon boulot. Oui, le département de la Moselle, les bosses 1351 à vous et de la part de 14 km 3301 opérateur Rémi en mobile sur le département de la Gironde. Oui, Jean-Jacques de la 51, Rémi, ici c'est 14 Lima Radio 002. Le département de la Moselle, l'opérateur c'est Arage Hôtel Alpha Romeo Alpha Lima Delta. À 15 km de la frontière franco-allemande, c'est la division 13. Et vous êtes 55 sur la Moselle. Eh bien là, de mon côté, c'est du 57, et voilà, ça passe vraiment très fort, une radio là très propre. C'est, je pourrais mettre un plus à la radio, un plus 5 à la radio, que sans problème, je le ferai. Là, c'est vrai que là, ça, et puis en plus, ce matin, les conditions de propagation sont vraiment exceptionnelles. Enfin, je dis ça, mais c'est tous les jours qu'on a la propague, tous les matins aussi, là, avec, qu'on a la propague. Et c'est tout simplement génial. C'est va falloir se réhabituer à avoir à nouveau la propague, un chi trois coups. Ah oui, en fermant ça, parce que j'avais un peu longtemps qu'il n'y avait plus rien du tout, là, ça fait pratiquement une semaine que j'avais une bonne propagation, il y a une bonne ouverture de partout, là, voilà. Et ça fait toujours plaisir à l'encontre des amis, des copains, des photographes. La mécanique graphique a un dernier UFT 890 avec un bike de jour. Ok, ben de mon côté, les conditions de trafic, c'était un CRT 7009 et avec une Wilson 5000 sur le toit. Et actuellement en push, en plein dans la ville de Castillon-la-Bataille, c'est-à-dire à côté de Saint-Émilion. Ce matin, j'avais des amis sur la Bretagne que j'ai entendu ce matin, là. Et les ondes qui passent bien aussi, assez fort, là. Alors, ça promet beaucoup aujourd'hui, hein, ça va promettre, hein, parce que hier, c'était, bon, on avait de la propagation, mais là, ce matin, ben, alors là, c'est vraiment du tout nouveau chauffe, hein. Il y a tout qui passe ce matin. Ah oui, affirmatif, hein, parce que là, avant de grimper en Bélélu, j'étais en AM. Et du côté de l'AM, c'est pareil. Hein. Ça arrive de tous les côtés, c'est hallucinant. Il y a vraiment une propagation de dingue là depuis quelques temps. Pourvu que ça dure. En tout cas, là, on voit bien qu'on commence à remonter là de ce côté-là.
Et ben on va bien voir ce qu'on verra bien ce que ça donne cet été, mais pour l'année prochaine, ça sent bien avoir à nouveau le Québec. Ça, enfin du moins je l'espère. Ok, d'accord. Eh bien, là justement, je suis en train de penser, cet été, là, j'espère que le dernier samedi du mois de juillet, on est au, une aussi bonne propague que là, car nous serons sur un salon radio là sur le sud-ouest de France, à Marennes, département 17, voilà, à côté de l'île de Léron. Voilà, et à chaque fois depuis l'intérieur du salon, nous faisions une activation là directement depuis le stand. Alors si on a une propagation comme là ce matin, alors là on va se régaler. Ah oui, là c'est sûr et certain. Hein. Oui, affirmatif. Voilà, là je suis plus très loin là du QRA. Pour vous expliquer, là je sors du pro. Voilà, j'ai débauché à 8h là du pro. Je rentre là tranquillement là au QRA. Je suis plus très loin. Alors et il est l'heure pour moi là d'aller au 144. Donc là je suis en train de descendre là vraiment vers le bas du village. Donc avant de vous perdre complètement, je vous envoie les bus 1351 à vous. Et merci pour ce QSO et à la prochaine sur les ondes. Bonne roulade et bon repos. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci à vous. Voilà, effectivement, là j'arrive dans le bas et ça commençait à baisser un petit peu là de mon côté. Merci, bye bye. Any contact, please use the 2 7 4 7 5.
321, l'opérateur Eric, la Belgique se signale. Très Eric, Marceau, Belgique. Ok, là, où est la station d'Eric? Je t'ai entendu, mais tu m'as découpé. 14 Alpha Tango 824, 14 Alpha Tango 824, appel. Hélicoptère 645, Tour de France, appel. Hélicoptère 645, c'est parti. One Alpha Tango, Alpha Charlie, 470. Attention, le sud de France, le nord de France, appel, repasse à l'écoute. Il n'y a rien qui passe et tout. Et depuis trois semaines, là, ça s'ouvre pas mal. Hein. Ouverture sur la Guyane, même sur les Antilles. La nuit dernière, à minuit, il y avait la Guadeloupe là, qui passait la Martinique. Bon, pas encore fait côté Asie-Pacifique, mais j'ai l'impression qu'au fur et à mesure que le temps passe, la propagation s'ouvre quand même un petit peu et c'est un peu plus chaque jour. Et ma foi, c'est QRO. Ce qui est bon signe, c'est surtout les ouvertures de rétropropagation. Moi, je me suis régalé il y a 3-4 jours. Là, j'étais sur 60 degrés. Il y avait la rétropropagation qui passait. Et en une heure de temps, j'ai dû contacter 15 départements français différents, toutes distances confondues. Et il y avait longtemps que je n'avais pas entendu ce type de propagation. Donc, voilà. Croisons les doigts pour que ça dure. Et qu'on puisse bien en profiter l'été parce que bon, quand il y a beaucoup de propagation, ça ramène pas mal de merde, hein, pas mal de parasiteurs et tout ce qu'on veut. Mais quand il n'y a rien, bah, c'est quand même triste. Hein. Allez, Christophe, je te retourne le micro, tu feras suivre. Alors, CQ Delta X-ray.
595, 595, c'est parti.